Il y a un pile de lui quand même. Dans sa calme, tu as des malicieux. Il y a un pile de lui. Couille au courant, il y a un retour encore, mais il y a un coup derrière encore. Il y a un frère, il y a un grand monde. Pas un caille boulé, non, mais. Et quand frère, quand il Benji a connu, dans le cas de la géo, il est entré à gros blindé, pas un mec de piate. Dans le cas de piate, dans le cas de malicieux, il y a un peu de saccage, il n'y a pas arrivé. Il y a un pile de blessé. Et là, comme là, il va entrer là-dedans. Malgré les portes à mi-temps par Benji, il va aller au chaud. Parce qu'il va aller mettre à terre. Pendant que vous êtes blindé, vous avez si coincé le port de Benji. Vous avez le port de Benji, l'âge était ouvert, vous tout pété entre à Benji en dedans. Et puis vous avez fait un petit coup là, vous avez fait un petit diffé. Mais tout gros la fumée dans la zone, c'est nous qui avons battu nos boulets en blindé de coller. Et le gros l'autre qui est d'elle, qui n'a pas passé. A gagné un femme, goumé la goumé la femme. Goumé la goumé, mais goumé la manque belle. Je me sens une femme d'avenir qui met pied à terre. Goumé la manque belle, qui va mettre pied à terre. Et ça, tu me goumé en la même. Je me bats pour me jouer à terre, je me bats pour me jouer à terre. Ça là quand même manger comme là nèg yo k ap goumen frère tête fait nuit coucher coucher là frère m'a bagarre là yo prend machine frère zo ti yo t'a braler mon craser en bas monde yo yo pas la vel mon craser yo pas la vel yo t'a braler la blindé gros opération et dans ville et Gonaïve là nous apprendre que justement la police a frappé tout bon et mesdames messieurs bon oui effectivement on a tout rentré direct là dans ça k ap passer dans département là Tibonite là côté non capable de depuis bien bon matin là gagner plusieurs unités dans la police là tant qu'on soit Edmo un bris au paquet un paquet unité qui débarqué là depuis matin là sur national numéro 1 ils rentré dans base Cocoat Saras côté gagner opération capitaine là il a cherché toute gang qui est dans yo opération Saras de la main depuis bien matin grand matin là gagner fort là qui nous apprendre qui gagne là non on a parlé là entre la police et puis bandits. Mais forme de tout, d'après l'information, nous avons un chef gang qui est le meilleur, monsieur qui est en couille qui était zone côté le TIA, côté base Koko Atanasia, tout, on côté près de Makadou, dans la localité H. C'est ça, nous faisons un comme information. C'est ce qui est sous MKG comme information, c'est ce qui est dans la police à tout, qui a bien, nous pouvons la pépote là pour la poursuivre ce côté le TIA. Chef gang Koko Atanasia, meilleur, monsieur qui est en chapeau pour le cacher, d'après ça. Non, mais nous pas prendre ça, non. Richard, nous pas prendre ça, non, mesdames, messieurs. Pas de question, et bandit a couru à le cacher, pour l'alkibo. Ça veut dire, si nous-mêmes, juste côté nous, nous avons information ça, c'est pour la police, pour responsabilité, pour finir avec gang. Dans la Tibonite, nous disons zéro tolérance, nous pas l'arrestation. Monsieur, nous pas l'arrestation, nous obligés la gueule comme ça. La Tibonite, c'est côté qui capable bail tout pays à manger. Je veux dire la freine action qui a passé misère, qui prend Saint-Domingue, qui a pris humiliation. Si la Tibonite, si c'est pas soi-disant politicien ça qui te bail zam munition, la Tibonite en pile job t'a créé, en pile jeune garçon t'a pris la caillou. Donc opération zéro tolérance. Oui, frère Pam. Oui, opération Jean-Doulala, il y a continué dans la commune de Jean-Doulala. C'est vous qui avez dit que vous avez dit caché, mais ça n'a pas à faire pour façon comme ça. Donc, il est important, il faut que l'opération continue là. Jusqu'à présent, là, depuis le matin, il était là, et il était dans la police, là, mobilisé dans le cadre d'opération, dans la base Koko Atanas. Notamment, dans le commencement de semaine, zone 1er de octobre, la Dominicanie, la République dominicaine, les autorités dominicaines, yo t'es annoncé, guerrier Dieu seul, Ronald des hommes, tête junior Dieu donné, que yo t'apprêt commencer avec un processus de déportation. Là-dedans, yo t'es prévu à déporter pas moins de 10 000 ressortissants haïtiens chaque semaine. En réalité, nous autres, nous te lis nouvelle ça, li pas paraître trop inquiétant pour nous, li pas paraître trop dérangé pour deux raisons. La première raison, c'est parce que ce n'est pas jodi, hein, la République dominicaine a déporté haïtien. Même le yopat qu'on fait des annonces officielles, mais c'est presque à longueur de journée, y a déporté compatriotes. La
seconde raison, c'est parce que déportation en soi, on a les hommes, li pataka un problème. Un pays qui doit décider pour X raison, li voye un ressortissant étranger retourner à la Kali. Li mette le lion dans le pays. Cependant, gagner des principes, gagner des normes internationales qui établissent, gagner des accords, gagner des protocoles qui signent, qui dit soit déporte au monde là kayo, mais comment ça lui fait? Donc étant donné lors de cette annonce, notamment du président dominicain Luis Abinadel, il te dit que programme ça visé voyer la caillou des sans papiers, des ressortissants qui a fonctionné illégalement sur le territoire. Mais attention, il a été précisé que c'était dans le cadre de protocole strict qui vient pour avec respect droit monde. Si autorité dominicaine yo te kembe parole yo, si autorité dominicaine yo effectivement te fait au regard de tout principe ça mandé, nous pas ta critiquer. Parce que pays a gen loi, pays a gen principe li sous question migration, li gen politique migratoire li. Ou ta capable dire le grand monde pour le décider qui est qui ka vivre la caille, qui est qui pas ka vivre la caille. C'est beaucoup ça notre problème. Tout problème là, et me pense c'est ça qui soulever débat jodi a, c'est les conditions dans lesquelles déportation a fait là. Et depuis première vague déportation yo, après annonce ça jusqu'à jodi a, pas gagné rien yo te dit concernant protocole strict yo te parlé à qui respecter. C'est vrai yo passé de la parole aux actes, aucun problème. Mais comme yo te dit déportation pral fait dans cadre protocole strict, respect droit monde, etc. Eh bien, c'est pas ça qui fait. C'est mensonge sur toute la ligne. Si nous gardons nouvelles qui viennent de nous, si nous entendons témoignages compatriotes nous, qui en République Dominicaine, si nous avons chance de garder vidéo côté gagner des scènes de brutalité, de violence à l'endroit de compatriotes sa yo qui ont décidé pimper nan pays yo. Situation 1, on a des hommes guerriers de seul les plus que difficile pour nos compatriotes haïtiens, pour nos frères haïtiens, nos sœurs haïtiennes là-bas. Nous parler avec des monde qui dans tout domaine en République dominicaine, des étudiants, des socioprofessionnels, des entrepreneurs, il y a des monde qui ont des organisations l'autre bord, des structures organisées, si nous gardons le comme ça, bah la compliqué, on a des hommes. Et nous autres qui te prenons là au premier degré depuis l'annonce des autorités dominicaines, nous venons rendre nous compte que bah la plus compliqué que ça nous pensé que ça nous imaginé. Jodi a, madame, monsieur, la République dominicaine encore une fois intensifié ça nous est capable de briller la chasse aux haïtiens l'autre bord. Qui vient mettre haïtiens yo, frères haïtiens nous, sœurs haïtiens nous, l'autre bord, nos situations qui vraiment, vraiment embarrassantes. Je dis à Gampil qui retourne la caillou dans quatre déportations massives, dans les conditions qu'on est. Mais Gampil qui retourne tout, c'est comme si yo pas vivre. Yo juste à respirer à cause stress, à cause yo traumatisé. Je dis à y a des haïtiens que me parle avec yo, si yo grand goût yo pas cal faire maquette. Je dis à y a des haïtiens qui pas cal vaquer à occupation pour yo joindre l'argent pour yo
répondre à besoin premier. Je dis à des Haïtiens, même leur famille qui ici ou bien aux États-Unis ou bien dans l'autre pays étranger, tu as décidé de vous un petit chocho pour eux. Pour eux, ils ne peuvent pas le ils ne peuvent pas utiliser. Pour qui ça? Ils ne peuvent pas sortir par crainte pour agent immigration dominicain par contrat avec eux. Prendre une condition de ou là, mettre eux dans un camion, malement. Des fois, il y a qui disposent de documents légal, comme ça, tout le monde n'a pas gagné. Il y a un passeport, il y a un visa, etc. Et là, mais ça n'a pas empêché que yo pas épargné dans collet ou bien en bas collet agent immigration dominicain. Moi parle avec un paquet de monde qui en République dominicaine guerrier du seul Ronald des hommes gagné en pile là qui voulait retourner la caillou. En pile là qui voulait retourner mais malheureusement il hésitait. Yo dit qu'elle yo t'a quitté la caillou, c'est pas parce que la République dominicaine des chamés ou bien c'est pas parce que c'était un espace de rêve pour yo te vivre. Yo quitté la caillou parce que tu gagné des raisons. Tu gagné des situations la caillou qui t'est quand même obligé au quitter. Mais au dit jodi a y a vivre ça vivre République dominicaine là. Certes toutes conditions réunies pour yo retourner bon côté pa yo. Mais pour raison yo t'ai quitté la caillou a rien va changer. Vin pirette même. Situation vin pi mal, li vin détériorer. Moun za ou di bon. Yo obligé rete là. Y a vivre à la merci de l'immigration dominicaine ou bien j'ai immigration yo ça le fait le faire. Kon sa tout gen qui prend courage à deux bras. On a des hommes qui dit au lieu pour y aller prendre humiliation, au lieu pour y aller frapper ou pour y aller battre, au lieu pour Dominicain al déshumanisé au niveau ça, yo prend route là pour quoi yo, yo décide retourner la caillou volontairement. Yo dit quel que soit ça, y a le vivre comme réalité. Donc pour yo même meilleure option hein, c'est retourner la caillou purement et simplement. Je dis à la en République Dominicaine, d'après témoignage des Haïtiens que me parle avec yo, majorité haïtien obligé rete la caillou. Que ou te gen visa, ou pas gen visa. Il y a des Haïtiens qui travaillent dans une série d'espaces, comme Plaza, Colmado, etc. Ils sont obligés d'aller à la caillou. Ils ont peur à le travail. Ils ont dit nous avons un espace sur les droits pour les gens qui fréquentent la République Dominicaine. Souvent, qui ont un grand embouteillage haïtien, parfois pas haïtien. Mais ils dit dans ce moment-là, si vous perdez 4 Baptiste, vous pouvez là, ou qu'à jouer n'importe match de football international. Tellement pas de monde. Et le pire, c'est pas ici forcément qui sont papiers seulement, qui ont une situation de peur comme ça. Qui ont une situation de traumatisme comme ça. Traumatisme comme ça, pardon. Qui ont une situation de stress comme ça. Des bougues couleur noire. Ouais. Même sous des légales, ou risquez pas s'en barrer dans l'immigration. Ouais. Donc, il vient de faire que, bagaille là, aller au-delà même de on simple question de blanc. Dominicain ou bien dominicain qui a couru des haïtiens. C'est noir même qui a passé mauvais moment actuellement là en bas mais immigration dominicaine. Si bien que il y a deux monde jodi a vous retourner soit c'est deux dominicains noirs ou bien yo c'est des dominicains d'origine haïtienne. Et des dominicains d'origine haïtienne, l'on a bien gardé. Faut chercher en pile lui pour faire connexion à Haïti. Tellement, c'est dans la République Dominicaine, yon ancré, yon gen racine yon. Mais le fait que yon se noir, mais yon pas épanier tout, en bas kolè, monsieur dame ou bien monsieur immigration Dominicain yon, qui vient faire en pile noir, victime tout, dans vague déportation ça yon fait là. Gede moun yon voye tourner la Ronald des hommes, qui pa gen pièce contact Haïti. Qui par contre, si pour le monter, si pour le descendre, voilà. L'elle rive sur yon dans trois points frontaliers qui concernent yo. Gede moun qui vin là, ou nan des hommes guerriers du seul, qui pas même capable de créole même. Oui. Ouais. Tellement yo détaché à la réalité haïtienne. Nan. Mais yo voye tourner parce que yo commet un seul péché, yo fait noir. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer à quel niveau que bagay la même
dépassé ça nous même nous ta kakwe. Son question de xénophobie, son question de racisme purement et simplement qu'a réglé l'autre bois. Et guerrier du seul nati la parole nati échange nous gagne avec des compatriotes haïtiens. Décision pour déporter haïtiens yo dit qui sans papier yo qui illégal yo nan moment ça même li patar on bagay innocent. Et si nous comprenons bien depuis le haïtien prend courage avec deux bras pour initier reconstruction canal irrigation sur rivière Massacla. Louis Abinadel finoué mort fin déchaîné. Nous songe tout train de mesure. Il te prend en guise de protestation à construction canal là. Fermer frontières etc. Couper tout pont avec Haïti. Que le te par voie maritime, par voie terrestre, par voie aérienne, etc. Et yon nan bagay encore qui t'a compliqué la situation, c'est que même visa yon pas octroyé à citoyen haïtien encore. Et là, nous sommes en septembre 2023, oui. Gen moun en 20 mois septembre qui te get gen visa. Gen moun qui gen visa nan mois septembre avant même décision. Donc de septembre 2023 à septembre 2024, ça fait un an. Oh, visa dominicain valide pour un an. Mm-hmm. Par contre, sous là, non, Ronald des hommes. Yeah. Donc, si vous avez un visa en 20 septembre, vous garantis depuis en 20 septembre 2024, visa expiré. Yeah. Si vous avez un visa en septembre, par exemple, depuis mois septembre d'arrivée, visa expiré. Mm-hmm. Par exemple, moi-même, j'ai un visa dominicain. Septembre 2024, si vous passez là, il expiré. Yeah. Donc, il est aussi valable pour un paquet haïtien qui tape vive en République dominicaine. Parce que dernière fois, moun te capable de mettre visa, ça remonte à un an, facilement. Depuis le bail canal Zala, bail visa dominicain vit dans le luxe. Oui. Donc, il vient de faire que la majorité haïtien jodi à la qui, capable sous territoire dominicain, il est illégal. Il est presque illégal. Non, pas même majorité, c'est tout. Visa. Pour ne pas dire tout. Tout haïtien. C'est ça que fait un droit anti-jean pour dedans parce que doit gagner monde qui gagne 4 résidentiels mais etc. Ça veut dire c'est d'où là etc. On a gagné l'autre monde nous pas connait qui circuit qui doit gagner des bénéfices de l'urgence et des couloirs humanitaires qui doit exploiter là au visa mais majorité haïtien qui a vivre au Dominique là sans illégal parce que pour régulariser tout mis à part visa en République dominicaine c'est tout ton péripétie. Yo rend li difficile même pour ta gon statut normal régulier. Côté étudiant, côté socio-professionnel, côté simple citoyen etc. Donc qui vient faire moun yo k'ap fonctionner République Dominicaine là, c'est avec visa yo fonctionner. Et chaque mois, yo gon stress soi pour y ap gérer. Chaque mois yo obligé soit quitter République Dominicaine ou bien aller sous frontière là etc. pour gérer en question so et ça gon coût au minimum $20 américains, mais pas qu'on dit le plus. Ou bien s'il devine monter, etc. Donc, depuis pratiquement un an, on n'a pas fait opération ça encore. Donc, ou bien passeport, ou bien volonté pour régulariser tout, ou bien tout moyen peut-être qui est capable de disponible pour faire ça. Mais la République dominicaine, à travers l'autorité compétente, rend tâche beaucoup difficile parce que tout simplement, ils vont fréquent, ils veulent faire haïtien pays avec en question de construction canal, irrigation. Et bien là, tellement aller loin, d'après ça, de moun explique, il y a des gens qui ont ces douleurs dans les mains, qui sont noirs par exemple. Les rencontrer avec agent, il y a des agents avec méchanceté qui décident de casser les quatre là. Donc ça qui a passé en République Dominicaine, je dis, de pour ces moun, pas forcément haïtien, si nous croyons toute image qui vient joindre nous, si nous croyons nouvelle qui vient joindre nous, si nous croyons témoignage des monde que nous parlons avec eux, c'est une indignation, c'est une frustration, c'est une humiliation. Déportation pas bonne, pas paquet, pas pile à eux. Des haïtiens viennent jouer nous. Des dominicains d'origine haïtienne viennent jouer nous.
Et nous dit ça dès le départ, c'est pas même faire venir jeune nous qui t'a un problème. Ces conditions, c'est ça qu'il faut plusieurs structures, plusieurs mon avis qui parler, plusieurs groupes organisés qui parler, yo dou il y a déporté haïtien yo dans des conditions inhumaines. Ça c'est français en bon créole. Conditions à déporté haïtien, c'est conditions pas traité bête, toujours appeler haïtien. Même bête. C'est ça, moun qui parle gros français, ou les violations flagrantes des droits humains. Ou qu'a décidé de mettre moun nan dehors dans le pays. Sous-estimé, des conditions qui réunissent pour ça. Sous-estimé, loi sur immigration dans le pays, il n'y pas répondre à elle. Mais lire ton moun avant tout, on a des hommes. Lire ton moun avant tout, guerrier Dieu seul. Le fait que il pas répondre à loi sur immigration pays, ça va vouloir dire suspend moun mouza. Donc si ou a déporté l'ou doit faire le tourner et pour ça même gagner des traités, des conventions, des accords, des protocoles qui signent pour dire mais comment on doit faire ça? Sont pas faire moun nan senti le suspend moun, sont pas rabaisser, sont pas montrer que li pas moun encore. Guerrier du seul. Gade moun yo prend cap témoigner ban moi, yo aller de des centres de détention avant même yo voye yo retourner Haïti via trois points frontaliers notamment Darabon Wanamet et Elias Pignas et Belader même manger baba moun yo si moun yo fait 2-3 jours dans centre de détention yo ba ko voye yo ale, yo ba ko pimpe yo mete yo nan camion pou voye yo ale. Yo ka fè 2-3 jours sans manger, oui. Guerrier Dieu seul. Et yo di nèg yo pa son vitesse supérieure. Même nan machine yo rentre pran moun. Nan espace fermé. Yo rentre pran moun. Même sou tap vaki a activité a occupation, quel que soit tap fè. Ou ka wè des boss ki vin la yo déporté. Qui gagne un rad chantier ou sou yo kap travail. Gen des moun comme si qui pense que yo à l'abri, qui fait comme si yap mené activité et puis agent immigration débarqué. Ça gen chance courir, ça gen chance sauver, ça gen chance cacher. Mais depuis yo joine nous, yo a besoin de temps nous présenter document voyage, présenter passeport, présenter sou te gen visa valide, sou te gen cédule là, etc. Yo dis pour moi. Des fois, ou pimpo dans camion, camion en tout et pimpe dans camion, yo ka mette yo l'un sous l'autre, sa campé, sa chita. Ou on prend ça m'dou la? Ma kon si image toujours, si image authentique, on image moi qui vient de moi, dame avec kob mariage dissoudi, en dans et comment, camion, bah on est camion de déportation, c'est m'garé l'il comme ça. Ça veut dire, yo prenne pendant le marié, pendant le marié. Ma kon si image la authentique, mais moi, mais moi l'autre image tout que les deux amis qui sont demain qui voyaient ben moi, c'est comme si moi, et non seulement gagne agent immigration mais comme si moi la police accompagner yo par contre c'est l'autre monde qui pression oui son mobilisation lié bon côté principal force yo nous c'est vraiment m'pa di chasse aux haïtiens non chasse aux noirs l'autre bois et gagne monde qui dit yo République dominicaine de bon bout de temps c'est première fois y a vivre une situation comme ça m'a rendu sous comprendre et ça pire là il y a des gens qui parlent avec moi qui dit des fois même les gars dans centre de détention en vol là agent qu'on prend document gain qui capable justifier ko légal ou pas ou bien ko c'est x y là yo prend yo pas baoul ou bien au chirel ou bien au jetel ça c'est méchanceté ça c'est criminel qui n'encore pas de problème non on dit on déporter moun là mais au moins l'homme mon neuf faut capable vérifier pour lui vous comprenez si pas de une décision de justice comme si son monde t'a cherché etc qui en contravention avec vous comprenez la justice paye au moins sous rencontre avec elle comme c'est monde qui sans papier qui illégal nous dit n'a déporté t'as dû un petit échange pour garder document mon nan pièce d'identité mon nan qui ça balle droit pour le sous territoire dominicain etc il pas dans parole ça non d'après ça vous dit. C'est juste prendre l'amour. Vous comprenez des fois au chiril, des fois au jetil, des fois au lancet là, juste au tout nous en Haïti. Ou pas jamais venir, non?
c'est révoltant quand même. Et le pire dans tout ça, nous avons de 11 amis, et dernièrement, sous une station sœur, dans le cadre d'une émission où est diffusée, qui avait expliqué qu'il y a des groupes organisés en République dominicaine, des associations qui gagnent soit des Haïtiens là-dedans, ou bien des Dominicains d'origine haïtienne, comme si toujours on doit regard sur, pas doit regard, on toujours on regard, disons, sur droit et migrants ou l'autre bois, est-ce qu'ils respectent, comment ils traitent, etc. Eh bien, ils contraignent le groupe ça, ils font silence, parce qu'ils ont une pression, si ils ont décoré, ils ont capté Haïti. Il y a même des gens qui ont parlé pour Haïti, pour lever voix, pour dénoncer ce qui a passé en dans le Dominicain, ils ont peur tout. Ils ont peur, ils ont obligé de faire silence, par peur de subir, souffler le même sort que des compatriotes que vous voyez tourner là, madame, monsieur. M'appeler Frère Duval semaine ça, qui avait expliqué que nous avons plus passé 30 ans depuis la République dominicaine a agi comme ça avec nous, notamment dans la question de déportation. Et qu'on bagaille, monsieur Duval dit, je viens de la raison, je vais essayer de comprendre le dernier tournant qui a gagné dans la question de relation haïtiano-dominicaine. Il a expliqué que chaque fois l'autorité, les autorités dominicaines voulaient exprimer mes contentements à l'égard des autorités haïtiennes, à l'égard des homologues haïtiens, ils ont eu un coup, c'est déporter haïtiens par bonne paquet. Mais ça nous le dit là. Chaque fois qu'on problème, ou bien qu'on tension diplomatique, ou bien qu'on a un petit différent volant, entre deux autorités, autorité haïtienne, autorité dominicaine, au lieu pour chercher à régler ça, là je parle des autorités dominicaines, via les couloirs diplomatiques, on a ouvert, je dis ok, pour montrer que yo pas content, soit parce que l'autorité qui était en position, soit parce que l'autorité qui était dit en parole, soit parce que l'autorité qui était en comportement, je dis, eh bien, c'est à l'aise, nous sommes à l'aise. Tout haïtien qui la caille nous yo n'a pas voyé retourner ba ou. Et monsieur Duval rappelé qu'il a fait ça depuis 91 plus de 30 ans. Et c'est là ça me va laisser comprendre ce qui est arrivé à Luis Abinader. Parce que depuis premier mandat citoyen ça ou d'accord Jean monsieur gère relation avec chef en Haïti, c'est comme le président de l'île. Ouais. Comme si c'est lui qui a dirigé ni République Dominicaine, ni Haïti. Yeah. Nous sommes clash, nous avons ancien premier ministre Claude Joseph. Mm-hmm. Vous comprenez? Qui est presque écouté Claude Joseph parmi en pile l'autre évocation dans le gouvernement. Mm-hmm. Yeah. Nous sommes récemment là, comme je t'ai campé avec question frontière là. Nous sommes monsieur presque fait campagne électoral sous doigt haïtien. Vous songez pas à ça? Et yon n'a pas probablement monsieur qui doit pas jamais pardonner nous tout. Dernièrement, la Jean, autorité était campé là, que le TCPT, que le Dupuis, qui dit comme ça que yon pas mal investi, yon pas mal ceci, yon pas l'autre, bon, voilà, t'y battant. Vous songez tout ça? Oui, oui. Canal là, le fait que yon dit, Pigan construit sous lui, et nous même nous dit, la loi, à l'échelle internationale notamment, principe, convention, traité, protocole de signé au bon droit, ça, n'a pas construit. Et bien, comme nous parlons, tant de la République dominicaine qui lui-même parlait en super chef, et bien, n'a payé sa chèque. Qu'ils ont fait? Ils ferment toute frontière avec Haïti. Ils disent, c'est à l'aise, nous sommes à l'aise, comme toute journée nous sous frontière, comme toute journée nous allons démanger la caillou, comme toute journée nous allons la caillou, nous allons prendre plaisir la caillou, nous allons l'hôpital la caillou, nous allons dans le club la caillou, nous allons défendre la caillou, nous allons vivre la caillou. Et bien, ils ont décidé de dire, pas un problème, ils ont coupé pont